passer du sportif. Jeune, bah, j'étais très turbulent, beaucoup d'énergie. Voilà, j'ai commencé un peu la boxe aux alentours de 14 ans pour canaliser tout ça. Et directement, bah, j'ai commencé la compétition. J'ai démarré par le full contact, puis la boxe anglaise, où j'ai intégré l'équipe nationale, et ensuite la boxe thaïlandaise, jusqu'à être professionnel, champion de Belgique, et de nombreux combats internationaux. Déchargé d'énergie et du coup je me suis senti dans le domaine comme un poisson dans l'eau. Ça m'a apporté beaucoup de bien, ça m'a énormément calmé, ça m'a amené une structure dans ma vie. C'est naturellement que l'envie de devenir coach m'est venue parce que j'ai très vite compris que par le sport on pouvait aider énormément, on pouvait apporter énormément aux autres et du coup c'était un besoin de transmettre. Ça va faire maintenant 3 ans que je dirige une salle de boxe et que je m'étais lancé comme personal trainer. Le faisant avec passion, l'activité en se développant. Et puis, ben voilà, derrière moi, j'ai commencé à créer un beau noyau, une belle communauté sportive. Et ça m'a directement donné l'envie de créer une plus belle structure. Donc, on a lancé le club ici en janvier. À travers ce club, je dirais que j'ai créé une sorte de concept où je mixe fitness et boxe. Et je veux que ce concept se développe. Un esprit d'équipe, une vraie communauté et vraiment dans l'idée, parce que je vois vraiment le sport comme une thérapie en fait, dans l'idée que chaque personne qui passe cette porte, au final, se développe tant physiquement que mentalement. Il y a le club de boxe thaï qui se trouve au stade Gaston Rêve de Braine-l'Alleud et alors aussi l'Underground à Waterloo qui est un studio de personal training et small group dans lequel on enseigne les box évidemment parce que ce sont nos points forts mais aussi la remise en forme, la transformation physique et les cours, les différents cours collectifs qui mixent fitness, box et les deux. Ça fait donc plus de 15 ans que je pratique la boxe. J'adore, ça restera toute ma vie mon premier amour, je ne vais jamais le mettre de côté. Depuis peu, ben voilà, j'ai découvert l'escalade, je me suis mis là-dedans à fond. Je veux faire partie des meilleurs, donc je m'entraîne dur pour ça, je veux performer, je veux arriver à, voilà, à être considéré comme quelqu'un de connu, reconnu dans le domaine. Voilà.